Hey, salut! J'espère que tu vas bien. On se retrouve après une longue absence, ou petite absence, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est vrai que j'ai été absente ces derniers temps. Mais là, je suis en vacances, donc du coup, j'en profite pour te faire des vidéos. Et là, on se retrouve pour un haul Primark. Donc, je suis allée au Primark de Créteil-Soleil et j'ai été étonnée, puisqu'ils l'ont refait en fait. Et maintenant il est sur 3 étages, donc c'est un truc de malade. J'ai craqué mon slip, mais c'est mon seul plaisir de mes vacances. Enfin non, j'ai un autre plaisir de mes vacances et je vous le présente tout de suite. Donc c'est Pilou, c'est mon petit chien, mon petit chihuahua que j'ai eu. Là ça fait maintenant une semaine que je l'ai. Il s'adapte rapidement, mais je te ferai une petite vidéo un peu plus tard. Et là il me mord les doigts. Donc je vais te présenter tout ce que j'ai acheté chez Primark parce que j'ai pas mal de choses. Donc pour commencer, j'ai acheté des petites bougies comme ceci. Donc j'ai acheté la Golden Ashwood, donc qui est comme ceci. Donc c'est une odeur très boisée. Et moi j'adore. C'est une odeur boisée, ça sent le parfum un peu d'homme. Je pense qu'il doit y avoir dedans du musc. Et franchement, j'aime beaucoup. Et celle-ci était à 1 € unité. Et en plus, j'aime bien le packaging, je trouve ça trop joli. J'ai pris Blueberry. Donc j'aime trop le packaging. Oh là là, tu vois pas très bien en fait. Parce qu'il y a un reflet. Mais regarde, il est entouré de cœurs. Et regarde, on peut voir aussi sur le capuchon et je trouve ça trop mignon. Donc Blueberry, elle sent super bon. Voilà, c'est une tuerie. Donc c'est des petits formats, hein. C'est des formats avec 16 heures de combustion. Donc je sais pas, il n'y a pas écrit le grammage. Mais bon voilà, ça fait 16 heures de combustion. Et j'ai acheté celle-ci, donc Fluffy Marshmallow. Donc pareil, hein, j'adore le packaging, je trouve ça trop joli. Et puis bah, celle-ci, hein, elle sent vraiment le chamallow Haribo, ça sent super bon. Ensuite, j'ai acheté de nombreux vêtements. Enfin, j'y suis allée quasiment que pour ça en fait. Et dans un premier temps, donc, je me suis acheté une chemise de nuit assez longue, donc, qui tombe à peu près au niveau au-dessus du genou, avec écrit Find the beauty in everyday. Donc je ne sais pas si tu vas bien voir comme ça. Et voilà, donc je la trouvais jolie. Et donc elle est à 5 €. Ensuite, il faisait plein de t-shirts à 3 €. Donc je me suis pris celui-ci où il y a écrit Pink to make the boys wink. Avec un rouge à lèvres. Il est trop trop beau. J'ai pris celui-ci avec le signe Pray for the Paris avec des fleurs. Voilà. En débardeur, j'ai pris celui-ci. On ne voit pas très bien. Voilà. Donc en fait, c'est un débardeur comme ceci. Et il y a écrit Love yourself. You are amazing just the way you are. Et je trouve qu'il est vraiment trop beau avec les fleurs et tout comme ça. Et dans les t-shirts à 3 €, j'ai pris aussi celui-ci avec des motifs comme ça, avec écrit C'est la vie. Donc voilà, je me dis pour 3 €, franchement, je ne me suis pas privée. Et il y avait plein d'autres motifs, mais voilà, j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus. Ensuite, j'ai pris ce débardeur de cette couleur. Donc je ne sais pas comment ton œil va le voir, mais moi, je le vois vert canard. Bleu canard. Voilà. En plus, il n'y a pas une luminosité de malade. Donc, j'espère que tu vas bien voir. Mais ça m'a l'air d'être bien. Et ça, je l'ai payé 2,50 €. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont stretch. Donc, c'est-à-dire que ça colle bien à la peau. Et ils épousent en fait bien les formes du corps. C'est ce que je recherche dans des débardeurs. Ensuite, je me suis acheté un pyjama à 5 €. Donc, en deux parties. Donc, je te présente d'abord le t-shirt qui est trop trop mignon avec des petits cœurs comme ça. Hop, donc c'est vraiment un short. C'est un short pour dormir quoi. Hein. Avec son débardeur. Donc, son débardeur qui est un peu gris
qui est un peu ouais, beige, gris, je sais pas trop. Et avec le motif, donc c'est un cœur avec écrit Paris. Et là, tu vois la couleur un peu du débardeur. Et donc, c'est un crop top. Donc, c'est un crop top. Hein, c'est un crop top, pardon. C'est un t-shirt court en fait. Très très court, on voit le nombril et tout. Donc, là, je me demande, enfin, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, pyjama, ça devrait pas trop me déranger. Ensuite, à 5 euros, là, tu vas découvrir une facette de moi que tu ne connais pas du tout. À 5 euros, c'était en promo d'ailleurs, je ne sais pas combien c'était de base. Ah ouais, 10 balles quand même. Oh la vache. Donc à moitié prix, donc moins 50%, j'ai trouvé. Donc c'est un débardeur. Mais pour mieux te montrer le motif, en fait, voilà, je vais... Un t-shirt des Guns and Roses. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock en fait. Et c'est un groupe que j'adore depuis que je suis toute petite. C'est un... Voilà. Et avec plusieurs d'autres groupes d'ailleurs. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit je le prends absolument. Et en fait le souci de ce débardeur, c'est qu'il est vraiment, tu vois, ultra transparent. Donc je me suis dit comment je vais faire? Parce que je vais vouloir le mettre au boulot. Très clairement, je vais pas y aller comme ça. Donc, j'ai pris un débardeur comme ceci. Donc, je vais t'enlever l'étiquette parce qu'en fait, tu vas plus voir l'étiquette que le débardeur. Donc, j'ai pris un débardeur de couleur bleu nuit comme ceci à fine bretelle, qui était aussi à 2,50 € et qui est aussi stretch. Donc, voilà. C'est pas noir, parce que le t-shirt hein, en lui-même est noir. Mais c'est pas très très grave en fait. Ça va pas vraiment se voir. Puis même si ça se voit, qu'est-ce que je m'en fiche, franchement, voilà. Le motif du débardeur pourra aussi bien ressortir grâce à ce débardeur qu'il y aura en dessous. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce débardeur. Et oui, c'est une facette de moi que tu ne connaissais pas. J'aime bien le rock. Ouais, le pop rock et tout, ouais, j'aime bien. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on s'en fout un petit peu. Et j'ai acheté d'autres choses, mais je ne peux pas t'en parler tout simplement parce que c'est pour le concours qui aura lieu pour les 2 ans de ma chaîne. C'est fou comme le temps passe vite, c'est un truc de malade. Voilà, déjà 2 ans avec vous. Comme l'année dernière, ça sera une semaine spéciale. Ça sera donc il y aura le lancement du concours et il y aura un bêtisier. Enfin, il y aura plein de vidéos remember et tout pour voilà pour l'anniversaire de ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des vêtements que j'ai achetés, des bougies. Enfin, dis voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi tout en commentaire. Et puis bah avec Pilou, on vous fait un gros bisou et on vous dit à très vite. Ciao! Au revoir! Ah oui, mais toi tu veux mort, toi. Toi tu veux mort. Voilà, c'est ça, à longueur de journée. Tu mords pas, maman? Tu mords pas, maman? Allez, ciao!